Très bien, c'est parfait. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour l'épisode 3, c'était Byron. Donc nous voici dans l'épisode 3 pour, de Terra, de ma petite session sur Terra. Il n'y aura pas beaucoup d'épisodes, hein, je pense que ça sera peut-être le dernier ou je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Salut Karim, comment tu vas? Allez bim! Ce que vous voulez. Cet endroit sent le danger à plein nez. J'ai le sentiment d'être dans le quartier le plus sordide de Castanica. Très bien. Bon sang, Firia, je suis une mortifera, pas un docteur. Espèce de conne. Examinez les blessés vous-même, je cherche des traces de Sonia. Très bien, je vais le faire, mais me parle pas comme ça, espèce de... Espèce de sale Eline. Alors, il est encore blessé, lui, ok. Je suis crevé, affamé et en colère. Et vous? Je suis crevé, affamé et en colère. Ma jambe, je pense que je me suis cassé la cheville. Cette os est bien censée ressortir. Aidez-moi! Oui, en effet. J'ai pas compris ce qui se passe. Sinon, oui. Et toi? Ben écoute, je vais très très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis sur Terra. Et Terra, c'est un jeu où tu dois faire. Bah, tout simplement, c'est un MMO. Où tu combats des gens en faisant des quêtes, tu ramasses des trucs, tu fais des quêtes. Là, par exemple, là, je fais une quête. Je sais même pas ce que je dois faire, mais voilà, je parle à des gens. Les Argons ont tout pris. Et du coup, voilà. Je parle à des gens, je combats des monstres. Voilà, c'est le jeu. Et je augmente de niveau. Aussi, bien sûr. J'étais sûr qu'il n'y avait pas que sur Ozu que tu étais posé comme elle. Et oui, et là, je suis pas vraiment posé comme elle. C'est moitié elle, moitié on sait pas, en fait. C'est le quartier le plus sanglant. Et tu dis, c'est bien, mais oui. Oui, bon, excusez-moi, je ne suis pas un gros lecteur, voilà. Surtout que je bafouille souvent, j'ai pas non plus l'intonation qu'il faut. Mais c'est pas grave, j'essaye de faire de mon mieux. En gros, c'est comme WoW. Oui, c'est comme WoW, sauf que ce jeu-là est gratuit et il est beaucoup plus magique que WoW. Aïe, ça fait mal quand je respire, mince, à quoi bon? Et nous ne rentrons jamais chez nous aussi. N'abandonnez pas, Broderick. Broderick. Ça me fait penser à Podrick. Podrick Garde Game of Thrones. Alors, Zolin. Oh, c'est d'un ennui. M'arrête de te plaindre. Cet endroit semble déjà plané et s'en aller. La blessure de Saizan va nous ralentir. Je vais ordonner à Pessine de faire une civière pour le transporter. J'ai cru qu'elle allait dire, il va nous ralentir. Tuez-le. Finissez-le. Broderick va devoir faire avec sa blessure. Personne ne rentre tant que nous n'avons pas retrouvé Sionia. Très bien. Parce que Sionia, en fait, voilà, donc là, en fait, on part en expédition pour retrouver sa copine. Voilà. Donc, la copine de Machine, là, et bah, c'est... Et maintenant, cessez de m'importuner. Cessez de m'importuner. Dites-moi ce que vous voulez. Mais non, mais... Je vais informer Dougal, voilà. Voilà. Donc, en gros, on doit retrouver sa copine. La copine de elle. Regardez comme elle est mignonne. C'est une peste, mais voilà. Elle reste mignonne. Alors, donc là, je vais chercher ma récompense. Wow, il y a des cracks et des serfs privés gratuits. Je suis à plutôt mourir que de mettre un euro dans un jeu sur un andy. Et bah t'as bien raison. Donc Dougal. Donc vas-y, donne-moi mes sous, donne-moi mes trucs, donne-moi mes boucles d'oreilles. Je ne vous décevrai pas, je ne laisserai pas tous ces morts qui ont été vaines. Enfin bref, on ne peut pas s'éterniser ici. Nous avons un devoir envers nos soldats et la Fédération Valcon. Vos ordres, chef, j'ai envoyé un éclaireur. Attrapez-le et aidez-le dans sa tâche de reconnaissance. Ok, très bien. Et là, je gagne de la merde, hein. Bon, je gagne du bon XP, mais... Alors, donc j'ai réussi les boucles d'oreilles. Donc, voilà, donc en fait, on a pas mal d'items qu'on peut mettre... La vidéo plus manque. T'inquiète pas Karim, ils vont bientôt arriver. Il y aura bientôt des nouveaux lives. Donc t'inquiète pas. Donc là je vais mettre mes petites boucles d'oreilles des familles. Hop là, paf et paf. Et là je peux mettre, bien sûr, augmente la constitution de 1, augmente la puissance de 1. Bah, écoute, je vais augmenter ma puissance. Et je vais augmenter... Je vais augmenter ma vie encore. Allez hop, c'est parti. Putain, mais j'ai combien d'XP là? J'ai 1 milliard d'XP quoi, au calme. Enfin bref. C'est parti.
Pourquoi je tire? Je sais pas. Je dois faire quoi là du coup? Je dois aller par là. Très bien, donc je monte mon sur mon canasson. Mon canasson. Et je suis parti. Oh, il y a des grosses plantes bizarres, moches. M'attaquez pas, m'attaquez pas. Oh non, il y a des grosses abeilles. Oh. Plante pika. Pika pika. Ah donc j'ai... Oh cool. Des scarabées de paille. Alors ça c'est des trucs qui valent assez cher, donc c'est pour ça que je les ramasse. On peut voir l'intrépide oh, du haut de la falaise, ok, très bien. Donc là je dois tuer ces gros babouins dégueulasses là. Vous avez besoin de mon aide? Ces bêtes sont d'une force prodigieuse. Cela va être dur pour les rescapés de l'avant-garde. Si nous allons au combat, nous accuserons des pertes. J'ai vu l'épave, mais on ne peut l'atteindre ici. Je suis censé envoyer une fusée de détresse, mais ça ne marche pas. Oui, vous verrez, si, d'accord, bah... Écoute, t'es pas doué, hein. Mec, c'est même pas envoyé une détresse. Plus de puissance. Pika Pikachu. Donc je ne sais pas faire le Pika, donc voilà, je vais pas essayer de le faire. Le mec qui tire dans le vide, genre... Les ennemis, mais exactement. On sait jamais, hein. On sait jamais. Alors je vais envoyer mes fusées de détresse parce que lui il sait pas le faire. Allez hop. Bim. C'est quoi sa fusée de détresse là de chez Intermarché là qui s'envole à 2 mètres même pas. Peut-être à 2 mètres. Peut-être 3 mètres hein. Peut-être 3 mètres mais ça m'étonnerait que des gens l'aient vu hein. Honnêtement. Voilà. Bon bref, je vais attaquer un peu les babouins. Parce que voilà, j'en ai rien à foutre. Je vais attaquer les babouins. Genre Colin, tu veux faire un perso qui tape au cac. Et ouais. Bah je veux tester en fait, je veux voir ce que ça donne. Parce que je sais pas vraiment c'est quoi le perso. Vu que c'est une nouvelle classe, à mon avis c'est cheaté. Alors les babouins. Bim. Allez. Voilà, je suis... Mais what? Elle est bugée là ma fille. Mais attaque. Ah j'ai enlevé... Ok, c'est ma faute. J'avais enlevé le pavé numérique. Bim. 2 sur 25. Mon dieu, il nous en faut 25. Bon, alors, là, je vais vous poser une petite question. Parce que là, c'est, en fait, c'est pas ma quête principale. Donc, est-ce que je tue les 25 babouins? Est-ce que je tue 25 babouins? Ou est-ce que je continue ma quête principale? Allez, dites-moi tout. Est-ce que je tue les babouins? Ou... Parce que bon, il y en a 25, donc ça va être... Ça va pas être super long, mais ça va prendre un petit temps. Vous allez bien. Mais genre, tu la vous vois, quoi. À chaque fois que je demande un truc, ça bug. Voilà, la quête principale, ou les babouins. À vous de décider. Choose your destiny. J'attends la réponse. Quand le prochain stream? Bon, ça c'est une question pour Lucie. Alors, je vais regarder un peu. Ça vaut... Est-ce que ça a augmenté les prix des scarabées dorés? Oh, la prix moyen 39 PO. Ça c'est bon. Alors, tu l'es. Ok, très bien. Peut-être quelqu'un d'autre qui veut que je continue. Que je les tue, continue, je les tue. Genre, je fais tutoyer alors que je mets. Ça m'a logique. Bah oui, mais oui. Évidemment. Ouais. Écoutez, bon, je vais les tuer pour l'instant. Puis si ça vous saoule, vous me le dites. Alors, je vais balancer ma petite truc. Allez, c'est parti. Tiens, toi, je te réveille. Toi, je te réveille. Vous, je vous réveille. Voilà. Vous, je vous réveille. Vous, je vous réveille. Vous, je vous réveille. Voilà. Bon, allez, là, on s'en fait plein. Plein ma... Si ça se trouve, je vais mourir. Comme une merde. Bim! Mais non, je ne vais pas mourir! Parce que mon perso est trop fort! Bim! Tiens, bim! Je m'enchaîne un peu.
là, mais je les défonce. C'est n'importe quoi. Il en reste un peu. Tiens, bim, bim, bim. Et le coup de grâce. Il était déjà mort, c'est pas grave. Oh là là, mon dieu. Ça ne rigole pas. Et encore, j'ai pas fait ma super attaque de la mort. Attention, attention. Parce que si je fais... Franchement, quoi se le dire. Si je fais ma putain d'attaque, ils ne peuvent absolument rien faire. Là, c'est du menu fretin, donc je sais pas si je vais la faire maintenant. Honnêtement, bon, je pense pas que je l'ai OS quand même avec ma super attaque. On va voir ça. Allez, on va en rameuter plein encore. Et on va faire ma putain d'attaque. Non, celui-là, je l'ai pas eu. Allez, allez. On va faire la putain d'attaque. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Merde, non. En fait, il faut qu'ils soient tous alignés. Soit vraiment tous alignés pour que ça marche bien. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Et boum. Ça les a tous tués. Ok, non, ils sont pas morts, mais ils sont mal en point là. Là on voit que c'est là on voit qu'ils sont pas bien. Alors dites-moi si le son du jeu est un peu trop fort. J'ai l'impression de gueuler là en fait. C'est pour ça. Alors les babouins, mais vous êtes tout. Mais vous êtes tout. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Super attaque pour le dernier. Bah là, ils sont tous morts en fait, hein, concrètement. Alors, tu es tous, moi. Bah Karim, je fais pas de live, donc je peux pas dire quand je vais relive. Le 36, je ne sais plus depuis un mois, donc j'ai rien à live. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie actuellement. Au pire, fais une FAQ sans question. Je pose des questions à moi-même, bonne idée. Bah oui. Bim. Ça aussi, c'est un truc qui fait vraiment mal. Hein. Voilà. Voilà, moi je me crois dans un FPS, moi je transforme mon canon en mitraillette. Allez, j'en ai plus beaucoup à tuer. Bon, c'est un peu facile là. En même temps, là c'est que des spires. Il peut y avoir des boss des fois. Et quand il y a des boss, ça rigole vraiment pas. Allez, il m'en manque un à tuer. Tiens, toi là. Toi là. Bim. Ah, je l'ai fait tomber. Et voilà, tu es mort. Tu es mort. Mon petit canasson des familles et je vais prendre ma récompense, obtenir prime. Vous avez besoin de mon aide? Parfait. Ok, je crois que ma truc est en train d'attaquer, mais bon, c'est pas grave. Baisse un peu le son. Ok, très bien. C'est vrai que le son est un peu fort hein. Alors audio, musique de fond, on va mettre ça. Effet, on va mettre ça. Ambiance de fond, on va mettre ça. Son interface, on va mettre ça. Hop là. Ah, c'est déjà... Mais putain, mais qui c'est qui m'attaque là? Mais putain de macaque. Merde, j'aurais touché un autre. Bon, écoutez... Ah bah, faut en tuer 5. Bah tiens. Ok, bon bah, faut en tuer 5 autres. Hein. C'est parfait. Tiens, toi voilà. Allez, venez m'attaquer. Venez tous m'attaquer, c'est parti. C'est... ça fait du slip. Il se jette sur moi quoi. Allez. Bim. Mais ils ne peuvent rien faire. Voilà, j'en ai déjà tué 5.
Ah non. Mais toi tu meurs, en fait. En fait, c'est ça le truc. C'est que toi tu meurs. Mais putain, mais il y en a combien de milliards? Mais vous êtes combien là dans votre troupeau là? Concrètement. Voilà quoi. Bon, au pire, ça me fait de l'XP. Hein. Vous allez me dire. 1,7 million par gorille. Moi je me plains pas. Hein. C'est vraiment du putain de free XP. Hein. C'est du free XP de chez free XP. Tiens, il en reste un. T'es mort. T'es mort. Et voilà, bon, maintenant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Juste un live pour montrer mes cheveux, wesh. Bon, j'ai plus que le chat encore. Soutenez-moi, j'en ai besoin. On est là pour qu'elle ça va. J'ai personne qui me répondait dans le chat, j'avais peur. Perso, je suis pas... je suis pas fond sur la... je suis pas à fond sur la live. Tu fais quoi? Ils sont 12 millions d'un milliard. What the fuck? Je m'embrouille avec Mago comme de... Oh, mais non, mais faut pas! Il faut pas s'embrouiller. C'est mal. C'est mal les embrouillements! Oh là là là! J'ai failli me faire agresser par un autre gorille là. Hop! Attends. Là, il y a des trucs à récupérer. Hop! Allez! Mais prends-la! Bon, elle veut pas la prendre. Bon, écoute, je me casse! Parce qu'il y avait un putain de gorille. Encore une fois. Alors. En somme, on dirait que description de gorille par un homme appelé Firenne. Exactement. Nous n'acceptons jamais de vivre sous le joug des arches. Archidévan. Ok, très bien. Votre tenue et votre armement ne me disent rien. Qui êtes-vous? Ouais, le mec il s'accroupit quoi, devant moi. Je suis de très loin dans le sud, voilà. Voilà, voilà ce que je suis de très loin dans le sud. Ça ne peut pas être possible, les nuages obscurs nous emprisonnent ici. Si vous dites vrai, alors Rhodos doit en être informé. Traversez le pont pour aller dans notre camp, demandez à voir Rhodos et donnez-lui votre parchemin. Je me porte garant de vous. Je vais lui parler. Très bien, et bah écoute, c'est gentil. Il se porte garant pour moi, en même temps. Qui peut me résister? Mais qui peut résister à une beauté de Firenne pareille? Ou pas, du tout. Bref. Mais non, c'est une femme. Tu vois pas clair, elle a des boobies. Exactement. Elle a des boobies. Enfin bref. Alors, je dois aller parler à qui? Je dois parler à lui. Waouh! Donc là, en fait, le mec, je lui arrive. Bah voilà, hein, c'est. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Alors, vous avez quelque chose pour moi? Voilà. En fait, oui, non, mais vous pouvez ranger ça, s'il vous plaît, c'est dangereux. Est-ce important? Est-ce important? Peu importe le prix, les Kanyans obtiendront leur liberté, les chaînes glaciales de l'esclavage ne nous retiendront jamais captifs. Eh bien, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, mon gars. Elle a surtout une miaou. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Magie. Baggy prétend que vous venez du sud. Est-ce vrai? Oh, mais cette vue! Mais cette vue! Donc je parle à sa bite. Voilà. Non, mais regardez-moi cette vue, quoi. Sérieusement, c'est la vérité, je vous jure. Pourquoi vous êtes là? Comment êtes-vous tombé sur mon camp? Notre vaisseau s'est écrasé dans la jungle. Vous êtes sans doute habile, mais je n'arrive pas à vous dire que... Je n'arrive pas à dire si vous mentez. Mais je connais quelqu'un qui le pourra. De l'autre côté du parchemin... n'importe quoi, pourquoi du parchemin? De l'autre côté du chemin de notre camp, vous verrez une cabane avec des cornes. Moda pourra juger de la vérité de vos propos. Je m'en occupe. Le seul qui peut battre Firenne, c'est roulement de tambour. Firenne! Mais non. Plein de gens peuvent me battre, voyons. Regarde. Lui, je suis sûr qu'il me bat. Avec sa dizaine de mètres, là. Donc moi, normalement, moi, je suis censé être grand. Hein. T'imagines lui? What the fuck?
Vous avez vu, j'arrive au niveau de son bide. Mais non, mais non. Non mais please. Non mais c'est quoi cette c'est quoi ce village là où j'arrive au pénis de tous les hommes quoi. Non mais arrêtez quoi. Bon bref, il est où mon petit robot là? Ouais, il y a un marchand, enfin une marchande. Ouh. Putain, mais elle aussi elle est grande. Bonjour, mais vous êtes tous gros ici. Mais voilà, mais même à elle, je arrive à en dessous de la ceinture quoi. Merde. Il s'auto détruit parce qu'il arrive pas à maîtriser sa faible force. Exactement. Marchand. Qu'est-ce que tu vends toi? Tu vends des feux de camp, mais c'est beaucoup trop cher. Je n'ai pas assez. J'ai que 28 000 pièces d'or. Je sais pas, mais qu'est-ce que je peux lui vendre? Tiens, vas-y. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, concrètement, j'en ai plus besoin, mais bon. J'en ai plus besoin. Si, c'est un objet de maître, un objet enchanté ou un objet lié à des cristaux. Bah oui, c'est un objet enchanté, donc oui. Tac, 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 tac. Non, on va pas vendre ça. Ça, on va le vendre à l'hôtel de vente, bien sûr. Ça, on peut le vendre. Voilà, on peut le vendre. Ça, c'est tout pourri, donc on va le vendre. Oui. Ça, c'est nul, on va le vendre aussi. Bah écoute, on peut le vendre. On peut le vendre. On peut vendre. Tac, 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 on peut... Ah merde! Ok. Hop là, déjà je vends tout ça. Voilà, merci. Donc on peut vendre. On peut vendre. On peut vendre. On peut vendre, hein, écoute. On vend. Et tac, 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 tac. Prix moyen. Ouh, pas mal. Ouais, on vend ça, on vend ça. Et on vend ça, et on vend ça. Et puis, bah, en fait, ça va être... Ouais. On peut vendre ça, allez hop. Merci, au revoir. Bon, écoute, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. On a vendu un petit peu. On s'est fait des sous-sous. J'en ai marre. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu arrives pas... Alors, tu arrives pas pénis de homme, mais pile à la bonne taille. C'est ça. Je vous le dis. Ça dit, je suis à 69%. Ouh, 69%. Il se passe quoi, Kawisama? Je peux pas voir le live. Ton perso fait 1m25, mais c'est ça. Mais non, mais c'est eux qui sont grands, je vous jure. Je vous jure. Je suis pas petit, moi. Ah, appelle le Skype et demande-lui de faire un partage d'écran. Non, ça marchera pas, un partage d'écran. Par contre, elle peut écouter ce que je dis, mais bon... Je doute que ça soit très, très palpitant. Pour elle. Ouais, puis si je fais un partage d'écran, ça va tout faire absolument laguer. Alors, depuis trop longtemps, nous avons connu le peuple danger, nous... Ah, l'aérotombeur. Qu'est-ce que vous venez de dire? Mais qu'est-ce que tu racontes, là, mon vieux? Bon, moi, lui, il a la bonne taille. Ne prenez pas cet air surpris. J'ai vu votre gros poisson ballonné tomber du ciel. Notre gros poisson ballonné? Mais j'en foutrais, moi, ton poisson ballonné. Vous devenez... Bon, attends, il est vieux, donc... On va faire une voix de vieux. Vous devez venir au-delà de nos frontières. Peut-être que le moment d'agir est enfin venu. Je crois que votre arrivée est un signe précurseur à la victoire des Kyriens sur les Jarches d'Ivan. Atishna, voilà que vous devez dire à Rhodos. Atishna, Atishna. Si tu es petit. Bon bah écoute, ça marche, je suis petit. Bon d'accord. Tu es très bizarre, monsieur. Tu es un grand Leitchi, les nains. Je suis un grand nain. Enfin, une grande naine, du coup.
Allez, je veux ramasser ça, moi. Ah, voilà. Essence de gobelu. Pas mal. Ça se vend combien, ça, l'essence de gobelu? Ça se vend cher, ça se vend cher, ça se vend cher. Ça se vend cher, ça se vend cher. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, ok. Est-ce que ça se vend cher? Et c'est où, les essences, là? Elles sont où? Ah, elles sont là. Mouais, ça se vend pas cher. Pas si cher. Urne en céramique, très bien. Voilà. Waouh, ces gros monstres. Ah, c'est plus des gorilles là, c'est autre chose. Hein. Ça a l'air d'être un peu plus dangereux que des gorilles quand même. Bon, écoute, je dois faire quoi moi? Je dois aller rechercher ma récompense. Ok, très bien. Allez hop, on va plus vite. Bonjour. T'as vu, mais regardez. Je suis désolé. Le cheval lui arrive au bide, quoi. C'est pas moi qui est petit. Je suis désolé. Ou alors c'est un cheval, c'est un poney, quoi. Même un poney. Même le poney, il est petit, quoi. Allez. Est-il voilà, je te rentre mon cheval dans le bide. Allez, donne-moi des sous. Venez-en au fait. Venez-en au fait. Peu importe le prix, les carrières obtiendront leur liberté. Les chaînes glaciales de l'esclavage ne nous retiendront jamais captifs. Et ça, c'est bien parlé, mon gars. Ça, c'est bien parlé. Atishna, ce n'est qu'une légende. Nous ne sommes les Kyrians, nous n'avons pas besoin de quelconque élu pour nous donner la victoire. Très bien, élu. Ok, donc le mec change d'avis en 2 secondes. 2 secondes top chrono. Nous n'avons pas besoin d'élu pour nous donner la victoire. Bon, très bien, en fait d'accord. Ouais. En fait, je suis d'accord. Il est pas bizarre, le vieux. Il est fou, c'est différent. J'avoue. De toute façon, tous les vieux sont fous, hein. Ça, c'est sûr. Non. Un nain, mais avec une miaou. Ah, d'accord, ok. Ok, ça marche. Donc, je suis un transsexuel. Ça marche. Débarrassez-nous et accepté. Pim, pom, pim. Alors. Donc là je dois battre des petits monstres, je pense. Voilà, les arachnéens, je sais pas quoi. Je vais devoir les battre très bien. Alors déjà, là vous avez de la ressource, donc excusez-moi, messieurs les arachnéens, je prends votre ressource. Ne m'attaque pas. Merci. C'est gentil. Bon, par contre moi je t'attaque. Moi j'en ai rien à foutre, et voilà. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais... Voilà! Et bim! Je vais en tuer combien, là, comme ça? Parce que... Ça va être rapide, hein. Ah, 25! Eh oui! Et là je compte. Mais meurs! Mais meurs! Mais crève! Hop là! Hop là! Ça marche! Alors, arachnéen fauve, ok, très bien. Bon, vous savez quoi, je vais aller attirer tout ça là, regarde. Allez hop, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop là, bonjour. Oh mais merde. Allez, vous êtes tous tombés. Ça, c'est tellement le bordel. On voit absolument rien de ce qui se passe. Mais laissez-moi... Laissez-moi vous tuer. Laissez-moi vous tuer, bordel de merde. Et voilà. Tout simplement. Alors, je prends mes trucs de vie, je prends ça. Oh, mais c'est pas vrai. Mais meurs, fils de chien. Voilà. Parfait. Feu de camp rapide, très bien. Donc, voilà, je dois tuer les petits trucs comme ça. Hop, là. Tac, tac. Tac.
toi aussi, toi aussi. Hop là, petite esquive. Toi aussi. Vous savez quoi, j'ai pas le temps de... j'ai pas de temps à perdre avec vous. Donc, excusez-moi, mais... Au revoir. Voilà. Et c'est moi où tu es? Bah oui, genre ils vont dire oui. Bah oui. Évidemment, mais il faut toujours demander, je suis poli hein, quand même. Je suis quelqu'un de très poli, voilà. Donc moi je ne tue pas les gens comme ça, hein, je leur demande s'ils veulent bien mourir. Et si ils disent pas oui, mais tant pis, c'est pas grave, ils ont pas le choix en fait, mais voilà, c'est pour le principe. Le principe d'être poli. C'est tout. Alors, j'en tue encore deux. Genre toi là. Meurs. Voilà. Un petit dernier. Et voilà. Et voilà. Je prends mon canasson et j'y retourne. Où est-ce que je dois aller? Je dois aller par là, ok, très bien. Bah! Par contre, oui, je devais faire un truc. Hop là, la liste des quêtes. Voilà, parfait. Récupérer votre récompense. Ok, très bien. Une initiative de l'avant-garde. Obtenir la prime, voilà, hop. C'est parfait. 44 millions d'XP gratuits. C'est comme ça. Et je vais bientôt up niveau 61. Le fameux principe, exactement. C'est le principe. Bonjour. Est-ce important? Est-ce important? Bah, je viens de remplir ta mission, donc oui, je crois que c'est important. Perfide démon, au lieu de gagner notre confiance, vous avez enlevé Mada. Où est-il? Mes soldats vont arracher les yeux pour vous punir de cette traîtrise. Comment? Mada a disparu? Je vais le retrouver. Soit. Ramenez-nous Mada sain et sauf, et je vous croirai peut-être. Mais je vous préviens. S'il est mort, ou je vous accuse, vous irez nourrir les arachnéens sans autre forme de procès. Bah, écoute, si tu m'envoies à la mort contre les arachnéens, bah, ça me fait pas trop peur, en fait. Ah, il me suit, lui! Il me suit, le gros! Ok, très bien. Chercher les indices dans la hutte de Mada. Ok, très bien. Alors, où est-ce qu'elle est, la hutte de Mada? Ah bah, ok, elle est là. Mais non, je vais pas me téléporter. Donc là, on cherche les indices. On cherche les indices. Donc voilà, donc ça y est. Donc là, on est en mode... Ah, elle est là, la hutte de Mada. On est en mode... détective Conan. C'est de boîte robuste et finalement travailler semble avoir été forcé. Si quelqu'un désirait de prendre la main sur quelque chose... Voilà. Ok, très bien. Quelques morceaux d'écailles scintillants jonchent à l'intérieur de la boîte. Ça ressemble à des fragments de coquilles. Très bien. Les fragments d'une urne brisée aux motifs de couleurs vives, on dirait qu'une lutte a lieu. Le mucus à l'odeur acre entache les tessons. Ok, très bien. Ma récompense est où? Elle est par là. Voilà. Et bon, voilà, il va me croire là, j'espère, hein, cet enculé. Venez-en au fait. Venez-en au fait. Allez, allez, tiens, allez. C'est important. Pas voir le prix des carrières obtiendront la liberté, machin, machin, machin. Les Guagui comptent parmi nos nombreux ennemis s'ils prennent. S'ils s'en prennent aux miens. Et les traînent jusqu'à leur village. Ok, je vais aller, machin. Vous avez vaincu les arachnéens. Peut-être que vous allez également massacrer les Guangui. Le village, ça, machin, machin, machin. Ok, très bien. Et ben, j'y vais de ce pas, mon gars. Allez. Canasson. Je sais pas quel nom je pourrais lui donner. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme nom à mon cheval? Allez, dites-moi dans les commentaires. Quel cheval je pourrais... Sentinelle Guangui. Ok, très bien. Grimoire de Mada. Ok. Parfait. En très bon état, ma foi. Le dictionnaire avec sa montre. Exactement. L'éclosion d'une étoile implique qu'une autre s'éteigne. Je peux partir le cœur léger.
sachant que cette nouvelle étoile changera la donne. On dirait Mada. On dirait du Mada. Alors. Ok, c'est parti. Sentinelle Gwangi. Ok, donc là je dois tuer la sentinelle Gwangi, très bien. Tac 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 tac. Eh bien écoute, c'est parti. Donc la petite sentinelle des familles. Que pas très résistante, hein, ma foi. Je dois encore en tuer 25? Mais vous êtes sérieux? Et bim! Parfait. Fin d'us. Je sais plus c'est quoi le truc de fin d'us, enfin bref. C'est pas très grave. Ouh! Oh là, il y a du peuple! Ouh là, il y a du peuple! Toi là, et toi là, et toi là! Allez hop! Et maintenant, rayon magique! Et boum! Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire contre mon rayon magique? Bon, en vrai, vu que ça met 3 minutes à recharger, 5 minutes à recharger, faudrait peut-être que je l'utilise pour des. Pour des trucs un peu mieux, quoi. Waouh, c'est beau. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin bref, essence de gobelu. GG à Rex pour le niveau 3. GG. Yeah. Essence de gobelu, c'est bien ça. Allez, on va se faire des sous avec ça. On va se faire des sous. Là, parce que quand je récupère des trucs, ça me donne de l'XP. Potion de vitesse, très bien. J'ai eu des potions de vitesse dans une plante, et bah écoute, c'est parfait. Franchement, la pollution qu'ils font les gens, hein, des fois, c'est n'importe quoi. Ouais, écoutez, on va s'arrêter là pour l'épisode 3, donc bien sûr, je vais enchaîner l'épisode 4 juste après. Je vais juste battre ce mec là, hop là, paf. Parfait. Tu meurs, s'il te plaît, merci, voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode 3. N'hésitez pas, à rien faire, voilà. N'hésitez pas à rien faire, à regarder la suite. Surtout, merci.